Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série complète qu'on va vous faire sur la manipulation et l'apprivoisement des hamsters. Alors la première chose à savoir quand il s'agit de manipulation et d'apprivoisement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire que on va déjà devoir s'adapter à l'animal, d'où il vient, quel est son comportement, quels sont ses antécédents. Mais on doit aussi s'adapter à nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très calmes et qui vont avoir du mal à manipuler un hamster un peu rudement, et puis il y a des gens qui vont avoir moins de patience et qui vont avoir beaucoup de mal à apprivoiser un hamster s'ils doivent y aller très doucement. Dans tous les cas, c'est toujours possible d'en arriver à apprivoiser le hamster. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui demande parfois un peu de temps et un peu de compréhension de soi-même et de l'animal. Deuxième chose, moi ici ce que je vais vous présenter, c'est mes méthodes à moi. J'ai énormément d'animaux qui sont passés par chez moi et j'avais une période où je faisais, en plus de l'élevage, je faisais pas mal de sauvetage. Donc j'ai eu des animaux de tous les horizons avec toutes les histoires possibles. J'ai eu des animaux qui sont arrivés adultes, qui sont arrivés craintifs, agressifs, etc., etc. Donc moi je vais vous donner juste quelques pistes cette fois-ci, quelques méthodes, quelques bases en fait pour l'apprivoisement et la manipulation du hamster. Alors, première règle, et ça je pense que à la fois moi et Mélodie on est d'accord sur ce point-là, qui a toujours très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il faut pas, c'est qu'il ne faut pas aller doucement avec l'animal. Pour vous mettre dans la situation, l'animal il va avoir peur parce qu'il ne sait pas ce que vous voulez faire, ok? À partir du moment où il a compris ce que vous voulez faire, soit il n'aimera pas, mais il n'aura pas peur. Généralement, les hamsters quand ils mordent par peur. Donc, le but, c'est que le hamster n'ait pas peur de vous. Si vous y allez très doucement, le hamster ne va pas comprendre ce que vous lui voulez. Imaginez 2 minutes. J'arrive près de vous, j'arrive comme ça, je souris, je fais bonjour et je tends la main. Vous n'allez pas avoir peur, je vais vouloir vous dire bonjour. Au pire, vous allez vous dire, vous ne me connaissez pas, c'est quoi cette folle? Même si vous me connaissez, mais c'est pas grave. Le hamster, c'est pareil. Vous allez arriver franchement devant lui en lui montrant que vous êtes là. Il faut évidemment pas le surprendre, mais en lui montrant que vous êtes là, vous arrivez face à lui et vous lui montrez, tiens, je vais te manipuler, je vais te prendre. Il va avoir beaucoup moins peur que si vous y allez tout doucement, en montrant éventuellement le bout de votre doigt. Il va pas comprendre ce que vous lui voulez. Est-ce qu'elle veut me donner à manger? Est-ce qu'elle veut me faire peur? Est-ce qu'elle veut me faire partir? Est-ce qu'elle veut me pousser? Il va pas savoir, il va pas comprendre. Il va pas comprendre, donc il y a des risques qui mordent. Donc, première règle, la plus importante, c'est toujours y aller franchement. On a fait une petite journée d'info en animalerie et il y a quelqu'un au matin qui est arrivé en me disant « Je viens d'adopter un hamster, on n'arrive pas à le prendre, elle a mordu toute la famille à 100, c'est pas possible. » Je dis « Ça fait longtemps que vous l'avez ?» « Non, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines. » C'est un jeune hamster, il mord pas comme ça. Je lui dis « Ben c'est pas grave, ramenez le hamster, je vais vous montrer comment faire. » J'étais sûre que le hamster n'était pas agressif, c'est pas possible. Un hamster ne peut pas être agressif à 4, 5 semaines, 6 semaines quand vous venez de l'adopter. Non, l'agressivité c'est quelque chose qui se développe et qui se développe principalement avec la peur ou avec les espaces trop réduits. Donc la dame est revenue avec toute la troupe, avec ses deux filles, avec le hamster, etc. qui était très très jeune encore. Honnêtement, 5 minutes après, le hamster c'était un amour en fait. Il était très cool, simplement il ne savait pas du tout comment le manipuler. Ils y arrivaient trop doucement, ils montraient le bout du doigt, ça c'est vraiment la faute classique, c'est d'arriver avec le bout du doigt sur le nez de l'animal, ça fait vraiment « vas-y, mords-moi ». Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc je leur ai un peu montré comment le manipuler, j'espère que maintenant ça se passe bien, mais le hamster, au bout de 2 minutes, je lui faisais des bisous sur le ventre. Donc il n'était pas agressif, il a mordu parce qu'il avait peur, parce qu'on le serrait, parce qu'on savait pas comment le manipuler. Donc bref, tout ça pour dire, c'est... Rassurez-vous, il n'y a pas de cas insoluble. Généralement, le hamster qui est agressif a un passé. Donc c'est-à-dire qu'il est agressif pour une raison, vous avez récupéré un animal qui a 1 an, qui a été maltraité. Donc pas de désespoir, tout va bien se passer. Il faut y aller franchement. Alors, je vais commencer avec un hamster syrien. Bon, évidemment, les miens sont apprivoisés, j'ai pas un hamster d'animalerie pour vous faire la démonstration. Enfin, je vais déjà vous montrer un petit peu les bases. Première chose importante, ne manipulez pas le hamster dans son habitat. Son habitat c'est chez lui, vous lui avez montré que c'est chez lui, il se sent en sécurité. Donc avant de commencer à la manipuler dans son habitat, il va d'abord falloir qu'il vous fasse confiance. Donc commencez par le manipuler hors de son habitat. Et il n'y a rien de mieux que pour apprivoiser un hamster que d'avoir une boîte de transport et de le manipuler en terrain neutre. Donc en mettant l'hamster dans la boîte de transport, puis sur vos genoux, sur une zone sécurisée, si vous avez peur qu'il s'échappe, vous pouvez faire ça dans un grand parc fait avec des bords en carton par exemple, quelque chose comme ça. Si vous avez des grandes caisses, vous vous asseyez dans la caisse et vous prenez le hamster avec vous dans la caisse.
il va pas se jeter sur vous, c'est pas un monstre, c'est pas un ours. En terrain neutre, le hamster va plus se focaliser sur son environnement et va moins se sentir agressé. Donc donnez-lui confiance en terrain neutre et puis après vous pourrez commencer à le manipuler dans son habitat. Si vous ne savez pas le sortir de son habitat pour le moment parce que justement il est difficile à manipuler, si vous avez ce genre de petite boîte-ci, vous la mettez couchée dans un coin de la cage, vous poussez avec le couvercle jusqu'à ce que le hamster soit dedans. Ensuite, vous fermez, etc. Une fois qu'il est dans la boîte de transport, il va déjà être beaucoup plus calme, vous allez voir, que dans son habitat. Ça, c'est normal. Et alors ensuite, pour le sortir de la boîte de transport, vous le laissez venir. Ça, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai pris Omi, qui est apprivoisé, mais qui a des tendances à être vive. Et ça, c'est très bien pour vous montrer. Donc si le hamster ne vous connaît pas bien, ne mettez pas directement la main dans la boîte de transport, parce qu'évidemment, il va avoir peur, vous arrivez d'au-dessus. Son prédateur naturel, c'est les oiseaux, donc il va se dire, oula, qu'est-ce qu'on veut. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez la boîte. Moi, ici, j'ai l'habitude de sortir. Et vous la penchez. Vous la penchez jusqu'à ce que l'hamster vienne vous voir. Vous lui montrez que vous êtes là. Je vais me mettre un peu face à la caméra. Vous lui montrez votre main. Généralement, en général, il va fuir. C'est normal. Ce premier réflexe de l'hamster, c'est de fuir. Si vous le laissez fuir suffisamment, en général, il ne va pas vous mordre. Il ne faut pas le serrer. Il ne faut pas l'empêcher de s'enfuir. Il faut juste restreindre son espace pour qu'il finisse par revenir vers vous. On va le laisser sortir. Je vais essayer de vous montrer. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main derrière. Comme ça, il va être forcé à aller vers l'avant. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, elle est pas rapide. C'est vrai que les bébés hamsters, ils ont tendance à être beaucoup plus rapides. Alors, la manipulation de base du hamster. Et la main, elle arrive devant. Comme ça, le hamster vous voit. Et vous venez serrer ici, sous les pattes arrière. Là, le hamster, 99 fois sur 100, ne peut pas vous mordre. Donc, toujours devant, sous les pattes arrière. Vous le posez sur la main. La main toujours ouverte. Pas de raison de mordre le sol qui est en dessous de lui. Si vous ne serrez pas, il ne vous mordra pas. Au pire, ce qu'ils peuvent faire éventuellement quand ils ne sont pas habitués, c'est goûter. Vous allez sentir un pincement, c'est comme quand vous avez un chat. Le chat, il va vous griffer une fois ou deux dans sa vie, mais c'est normal. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Toujours bien garder les mains ouvertes. Plus vous allez serrer, plus l'animal il va stresser. Ça marche pas avec elle. Et plus l'animal il va stresser, il va se dire qu'est-ce qui m'arrive, on me serre. Vous imaginez, si vous aviez une pièce qui commençait à se refermer sur vous, ce serait horrible. Alors que si vous marchez sur une ligne droite, vous n'avez pas de problème. Mais c'est exactement la même chose. Laissez-lui la marche. Alors les jeunes hamsters, ils vont prendre des coups. Donc c'est-à-dire qu'ils vont marcher toc toc toc, puis toc toc toc, tchou. C'est normal. Donc faites-le toujours au-dessus d'un fauteuil, au-dessus d'un lit, au-dessus du sol si c'est sécurisé et qu'il ne peut pas aller très très loin. Toujours, toujours en sécurité pour l'animal. Une fois qu'il commence à rester dans les mains, vous pouvez commencer à faire l'escalier. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. L'escalier, ça permet au hamster de rester en mouvement. Donc ça veut dire qu'il ne va pas s'attarder sur quoi il est posé. Il s'attarde à avancer. Ça, c'est normal. Ouais, commence à s'exciter un petit peu. Hop là. Une fois qu'il commence à être un peu en confiance, donc c'est-à-dire peut-être pas le premier jour, ça dépend un peu des hamsters, au début pensez juste à le manipuler un petit peu, vous pouvez commencer tout doucement à caresser. Alors les hamsters détestent être caressés sur la tête. Ça vient parfois avec l'âge, mais de base, ne caressez pas la tête. Si vous caressez, vous commencez aux épaules jusqu'au cul. Donc on caresse comme ça. Passe dans l'autre main, comme ça. Voilà. Les premières fois où vous allez le caresser, où il va être touché sur le dos, il s'y attendra pas, il va faire un petit bond. Il y a des grandes, grandes chances qu'il fasse un petit bond. Soyez prévenus, laissez-le faire, c'est normal, c'est pas grave. Ne serrez pas, laissez-le avancer, mais c'est normal. Comme ça, vous le savez, ne le surélevez pas, laissez-le vraiment près du sol, c'est normal, tout va bien. Une fois que le hamster commence à s'habituer à vous, vous allez voir, vous allez pouvoir fermer un petit peu les mains, il va plus s'énerver, voilà, hein, comme elle, c'est normal. Elle a juste envie d'avancer, c'est tout. Donc, pour le manipuler, toujours au début, comme ça, quand vous allez le chercher, toujours par ici, c'est vraiment le plus facile. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir l'attraper sous les épaules. Voilà. Ça, ne faites pas ça avec un jeune hamster que vous avez depuis un mois, surtout s'il vient d'animalerie, vous risquez de vous faire mordre parce que l'hamster ne sait pas ce que vous lui voulez. Vous le serrez presque au niveau du cou, forcément, il va avoir peur. C'est forcé. Donc, commencez tout doucement, d'abord des manipulations bien à plat, qui s'habitue à vous, qui s'habitue à votre odeur. Quand vous faites des séances de manipulation, il faut que ce soit court. Le hamster adore courir, il adore découvrir. Donc, moi, ce que j'ai toujours fait avec l'hamster un petit peu difficile, je le sortais, je le manipulais 10 secondes, et en récompense, au lieu de lui donner une friandise parce que
généralement quand il a un bon mélange, en général on aime bien donner une friandise à gauche à droite, donc finalement ça ne devient plus une récompense suprême, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne devient plus « oh c'est génial, je vais avoir une friandise », à moins qu'il ait vraiment quelque chose qu'il adore, mais souvent ça ne marche pas tant que ça. En récompense, moi ce que je fais, c'est la sortie dans le parc. En fait, il va associer le fait que j'ouvre la cage, je vais le chercher, je vais pouvoir sortir. Bon, il y a 10 secondes, 15 secondes où elle va me manipuler, elle va me faire des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Après, je vais pouvoir courir. Ça, c'est génial. Les hamsters, ils adorent ça. Donc, commencez toujours par des petites séances. Ça peut même être 10 secondes, 5 secondes, peu importe. Si vous voyez que l'animal est à la porte de sa cage et est actif, vous n'hésitez pas, vous le prenez, vous le manipulez, même 5 secondes, peu importe, le tout c'est de faire ça régulièrement. 5 secondes, vous le mettez 10 minutes dans le parc, si vous n'avez même pas le temps, c'est pas grave, vous le reprenez, vous manipulez 5 secondes, vous le rentrez dans sa cage. Ce qui est important c'est de le faire souvent, plus vous allez le faire souvent, plus vite ça va aller. En général, avec les hamsters d'animalerie, quand j'en avais à l'époque, et les hamsters de sauvetage, en une semaine, deux semaines c'était réglé, ça va très vite. N'attendez pas, j'ai vu à plein d'endroits qu'on dit laissez le hamster tranquille une semaine pour qu'il s'adapte à son environnement. Alors non, 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 ça c'est pas nécessaire. Ce que vous faites en fait, c'est dire au hamster, à partir de maintenant, t'es dans ta cage, tu te débrouilles, moi je t'embête plus. C'est pas ça qu'on cherche, on cherche un contact. Vous le laissez tranquille la première journée parce qu'effectivement, il va y avoir une espèce de décalage horaire comme il arrive dans sa cage en milieu de journée généralement. Le hamster il va être un peu déboussolé. La première journée, si vous voyez que le lendemain dans la journée il est encore réveillé, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait son décalage horaire correctement, donc vous le laissez encore tranquille. Mais une fois qu'il commence à dormir la journée et être réveillé la nuit, en général ça prend 2 jours maximum, vous pouvez commencer à l'apprivoiser. Il n'y a pas besoin d'attendre une semaine ou quoi que ce soit, c'est pas nécessaire. C'est au contraire, moi je trouve que ça a tendance à avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous ne l'habituez pas à vous, vous l'habituez à rester tranquille et vous ne l'habituez pas du tout à vous. N'hésitez pas directement à lui montrer « Ah mais je suis là, je te manipule, mais c'est pas grave, tout va bien, il n'y a pas à avoir peur. » C'est ça qu'on essaye de montrer au hamster en fait. Pour ceux qui aiment la technique de vouloir l'apprivoiser avec une friandise, etc., etc., vous pouvez intercaler ce genre de séance, évidemment, entre deux séances de manipulation, mais par pitié, apprenez-lui tôt à être manipulé, c'est important. S'il a un problème de santé et que vous devez aller chez le vétérinaire et que vous devez l'attraper en urgence et que vous ne savez pas comment faire et que vous passez une heure à lui courir après parce qu'il ne veut pas se laisser faire, vous n'allez pas vous en sortir. Donc par pitié, c'est important. Si vous devez lui faire des soins, n'importe quoi, le hamster il tombe, il se blesse, je ne sais pas, il a une blessure à l'œil, vous devez lui mettre des gouttes dans l'œil, le hamster il va falloir qu'il reste tranquille, il va falloir que vous sachiez comment le faire. Donc c'est vraiment important, il faut dès le départ, il faut l'habituer absolument à être manipulé. Donc des courtes séances, vous verrez que finalement le hamster va beaucoup s'habituer. Alors selon les caractères des hamsters, il y en a qui aiment le contact, qui aiment rester, qui dorment sur les genoux, qui dorment dans le cou, etc. Et puis il y a des hamsters typiquement elle, c'est pas un hamster qui va rester tranquillement sur moi. Les manipulations pour un syrien sont plus faciles dans le sens où il est plus grand que le hamster nain, qui est plus difficile à contenir parce qu'il est plus petit. On va commencer par le Roborovski. Le Roborovski, c'est un animal qui est très 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 rapide. Celui-ci vient d'un éleveur et vous allez voir que malgré le fait qu'il vient d'un éleveur, il reste dans les mains, mais c'est jamais calme, jamais. Plus vous allez le manipuler, plus il va se calmer. Le Roborovski, il y a des précautions à prendre quand vous commencez à le manipuler, parce que comme je le disais, c'est très très rapide. Le problème du Roborovski, c'est qu'il a tendance à courir. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, il a tendance à courir. Alors j'en avais adopté un, il courait, il se jetait dans les murs, tellement il courait tout droit et il ne voyait pas qu'il devait tourner, donc c'est à ce point-là. Donc ici je sais ce que je fais, je suis sur mon fauteuil, je sais ce que je fais, mais c'est très rapide, c'est très vif. Donc les premières manipulations que vous allez faire avec le Roborovski que vous venez d'avoir, c'est d'office dans un endroit très sécurisé, à l'intérieur d'un parc, au-dessus d'une caisse en carton par exemple. Donc vous avez une caisse, vous aurez une caisse par exemple de cette taille là, vous pouvez la poser sur vos genoux et manipuler à l'intérieur de la caisse, parce qu'il va sauter et il va se mettre à courir, donc il faut que vous puissiez le rattraper. Autant le syrien va être beaucoup plus lent, autant le Roborovski ça va être quelque chose. Vous allez voir que c'est déjà rapide, même si bon, celui-ci est apprivoisé. Donc toujours les mains bien plates, ne jamais serrer l'animal. Voilà, je commence à serrer, il commence à s'énerver, pourtant lui est apprivoisé. C'est vraiment un truc qu'il n'aime pas. Donc toujours au départ, on fait l'escalier. Vous allez voir qu'avec le Roborovski au départ, c'est pas aussi facile. On fait l'escalier et puis on commence tout doucement à le toucher. Mais vous voyez qu'il s'énerve très vite quand on commence à toucher, il essaye d'avancer. Alors, pour attraper un Roborovski, vous pouvez beaucoup plus facilement y aller en mettant vos mains. Donc vous serrez les mains pour l'attraper et puis vous ouvrez. C'est important.
Donc vous serrez et puis vous l'ouvrez. Parce que si vous serrez les mains et que vous gardez les mains serrées, c'est la même chose que de serrer l'animal dans ses mains. Donc il va prendre peur et il va essayer de sortir d'une manière ou d'une autre. Donc toujours, on va essayer comme ça. On serre et on ouvre. Donc jamais, jamais, jamais mes mains ont été serrées au-dessus. Il faut qu'il voit, qu'il puisse sortir. C'est juste le temps de le faire monter sur la main. Si vous mettez votre main devant, il ne va pas forcément, voilà, il va pas forcément monter dessus. Ça dépend un peu des animaux. Bon, lui, il est habitué, mais généralement, si vous mettez votre main devant l'animal, il va se retourner, il va partir de l'autre côté. C'est instinctif, il a peur, il ne vous connaît pas. Il ne va pas monter sur un truc qu'il ne connaît pas. Donc, n'hésitez pas à mettre les deux mains, comme ça, il est forcé de monter dessus. Et puis, vous laissez ouvert, et une fois qu'il est dans vos mains, on fait l'escalier. Hop, tu veux passer par là? Hop là. Ici, j'écarte pas beaucoup mes mains parce que c'est un tout petit hamster. Pour les Syriens, faut pas hésiter à mettre un peu plus loin, histoire qu'il ait l'impression d'avancer, parce que sinon, il va vite sortir des mains et vite faire autrement. La technique pour l'attraper, en soi, ça peut être la même. Donc, vous pouvez l'attraper de la même façon ici, sous les pattes arrière, sous les pattes avant, mais ça, il déteste, généralement. Hop là, ça se met à courir. Ah, hop là, hop là. Il commence déjà à avoir une allure qui se rapproche de ce que vous allez avoir, mais on en est encore loin. Mais... J'ai droit aux graines ? Oh, c'est gentil ça. Oh, oh, c'est gentil. Oh là là, attends. Une fois que l'animal fait sa toilette, donc vous allez voir, ça veut dire qu'il commence à être à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement à l'aise, mais ça veut dire qu'il commence à être à l'aise. Donc ça, prenez ça pour le premier bon signe. Donc, ma petite ruche ici, alors vous allez voir, elle est quand même assez rapide. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je voulais dire par les petits bonds du hamster. Je me mets très bas, on va recommencer. Je lui touche le cul, et hop là. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire par les petits bonds de base des jeunes hamsters. Elle est encore jeune, elle. Et malheureusement, je l'ai eu chez un éleveur qui fait très attention à la morphologie, mais par contre, le caractère, pas forcément. Toujours la même technique, on laisse l'animal dans les mains, on lui fait l'escalier, et puis au bout d'un moment on commence à caresser tout doucement, on commence à l'habituer, etc. Même chose qu'avec le Roborovski, vous voyez pourquoi on se met pas trop haut, ça saute. Même chose qu'avec le Roborovski, on ferme les mains, on ouvre au-dessus, et comme ça le hamster sait qu'on est là. On recommence, hop, voilà. En fait on force simplement le hamster à monter sur la main. On lui met la main, bon, elle va pas monter dessus, et alors on la force à monter dessus. Voilà, tout simplement. Ouais, toi ça va. À tomber. T'es à l'aise, t'es tranquille, c'est la fête. Voilà, donc ça c'est les manipulations de base. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Donc toujours, si vous devez le rater... Ah, oui, encore une technique intéressante. Si le hamster... sans cours, se balade, que vous n'avez pas prévu, il est sur le fauteuil, il tombe du fauteuil et comme par hasard il se met à courir par terre, gardez sous la main simplement un, par exemple une boîte ou un tupperware ou quoi que ce soit, la bête technique pour les araignées. Vous retournez la boîte sur l'animal, bon évidemment ça va lui faire peur mais peu importe, vous retournez la boîte sur l'animal et puis simplement vous venez glisser une feuille de papier en dessous, tout doucement en faisant attention, donc vous allez sentir qu'à un moment le hamster il va être sur la feuille de papier, et hop, vous retournez la boîte, donc, pas une boîte trop profonde évidemment, et comme ça le hamster va se retrouver sous la boîte. Ça c'est vraiment une mesure d'urgence, mais si vraiment vous n'arrivez pas à l'attraper, vous ne savez pas comment faire, vous n'arrivez pas avec les mains, vous paniquez, etc., etc., c'est une très bonne technique pour le récupérer. Encore une fois, les boîtes comme ça, ça marche très très bien aussi. En fait, vous guidez l'animal vers un coin où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme je l'ai dit, toujours faire ça dans une pièce sécurisée où vous n'avez pas des ouvertures vers l'extérieur, vous n'avez pas des prédateurs, vous n'avez pas des trous dans les murs, etc. Une fois que la pièce est sécurisée, c'est facile. Vous guidez l'animal vers un coin, vous mettez la boîte vers le coin et vous guidez l'animal dans la boîte. C'est vraiment pas compliqué. Ça sert à rien de se stresser. Avant de commencer les manipulations, faites attention à l'environnement et vous n'aurez pas de problème. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites un grand parc et vous manipulez l'animal dans le parc. Après, c'est vraiment de la régularité et puis tout doucement, une fois que vous allez voir au bout d'une semaine, deux semaines, etc., quand vous allez voir que le hamster commence à être vraiment à l'aise dans vos mains, vous allez voir, vous allez pouvoir commencer à le retourner, à lui faire des bisous, etc., etc., à le caresser plus longtemps. Et puis vous allez voir si le hamster apprécie ou pas. Évidemment, c'est beaucoup de choses qu'il n'appréciera pas de base et puis qu'il va apprécier par la suite. Vous allez voir que quand l'animal se lève la première fois le soir,
En général, il va se lever une première fois, aller faire un pipi, aller manger un truc, aller boire 2-3 gouttes. Vous allez voir souvent les yeux, ils sont mi-clos. Alors ne manipulez pas l'animal à ce moment-là parce qu'il n'est pas vraiment réveillé. Attendez qu'il commence à tourner dans sa cage, qu'il aille dans sa roue, laissez-lui le temps, c'est son café du matin. Ne l'agressez pas directement quand il vient de se réveiller, ça ne sert à rien. À part le mettre de mauvaise humeur, c'est tout ce que vous allez avoir. Une fois qu'il va avoir l'habitude, vous allez voir, ça va très vite. Une fois qu'il va vous associer avec le fait que vous ouvrez la cage, vous le manipulez, il va dans le parc. Ça va devenir très vite une habitude. Si vous faites ça à des heures régulières, vous allez voir que le hamster en général va se lever dès que vous approchez de la cage, dès que vous rentrez, etc. Il va vite s'habituer à l'horaire, ça, il n'y a pas de souci. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va venir d'instinct au niveau de la porte et puis qu'il va commencer à sortir. Alors quand il commence à faire ça et que vous savez que vous pouvez commencer à le manipuler, n'hésitez pas à mettre votre main et à le faire descendre directement sur la main. Une fois que vous commencez à bien savoir le manipuler, vous pouvez aussi aller le chercher dans sa cage. Donc de la même manière qu'ici, vous attendez qu'il soit bien réveillé, vous mettez la main devant l'animal pour lui montrer que vous êtes là, vous le laissez faire un tour et fuir une fois parce que souvent c'est ce qui arrive, et puis vous allez chercher franchement comme je vous ai montré. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à attendre qu'il vienne, qu'il monte sous la main, etc., etc. C'est vraiment pas nécessaire et ça vous permet aussi de l'habituer. C'est ta cage, mais je viens te chercher si j'ai envie de venir te chercher, t'as pas à mordre pour ça. C'est ça qu'on essaye de lui montrer et parallèlement vous lui montrez aussi je viens te prendre dans ta cage mais c'est pas pour ça que je vais te faire du mal, c'est normal. Donc habituez-le, soyez même au bout d'un moment, vous pouvez y aller franchement, je vais vous montrer avec Omi, mais on avait fait d'autres prises de vue que je vous montrerai aussi. Il faut l'habituer à y aller franchement, donc la tête à l'envers, c'est pas grave, c'est pas pour 2 secondes, vous l'habituez à faire ça, voilà, c'est normal, à faire le ventre il déteste normalement, c'est vraiment une question d'habitude. Là vous voyez que l'animal est apprivoisé parce qu'elle déteste ça, on voit sa tête, mais c'est pas grave, tant pis, si je décidais de le faire, je le ferai et puis c'est tout. Donc on l'habitue à être manipulé sur la tête, ça c'est le plus dur et ça prend du temps, derrière les oreilles, quoi que j'ai envie de lui faire, en fait je peux le faire, les doigts, je peux prendre, vérifier les dents, je peux faire ce que je veux avec. Et c'est normal, c'est parce qu'elle a été habituée. Tout ça c'est une question d'habitude. Et ça, ça fait que si l'enfant il arrive n'importe comment et qu'il la prend comme ça, c'est pas dérangeant, le hamster il va pas mordre. Et ça c'est vraiment important, vraiment vraiment. Et si on lui fait des soins, elle mordra pas. Elle va crier parce qu'elle sera pas contente, mais elle mordra pas. C'est tout pour cette première vidéo, donc comme je l'ai mentionné, on va en faire d'autres au fur et à mesure, ce sera pas les prochaines vidéos mais elles viendront un peu plus tard. Ça, ça vous donne déjà des pistes pour démarrer, c'est super important. N'hésitez pas si vous avez, comme d'habitude, si vous avez des questions précises et quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des likes parce qu'on vous adore. Et n'hésitez pas aussi à partager les vidéos parce que effectivement ça permet à plus de gens de prendre conscience des informations qu'on peut donner. Elles sont pas toujours complètes. Il y a, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de façons de procéder, mais peu importe, c'est une parmi d'autres, et si ça peut aider des gens, tant mieux. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.